Grano Maté, c'est parti de l'idée de créer une boisson pétillante à base de yerba maté qui serait produite localement. La petite histoire, c'est que mon frère a créé la recette dans sa cuisine pendant le Covid. Sur un coup de tête, il n'y avait pas beaucoup de maté en Suisse et on a essayé de créer une boisson ensemble qui nous ressemble et qui puisse satisfaire aussi une clientèle qui recherche des produits locaux et biologiques. Les valeurs de l'entreprise sont avant tout des valeurs de responsabilité environnementale avec un focus sur la production locale. On a commencé au tout début, on fournissait seulement des festivals. Puis petit à petit, on a évolué, on a pris des épiceries, ensuite on s'est ouvert à la restauration. Et maintenant, on fournit tous ces types de clientèle, du privé au restaurant, voire à la grande manifestation comme le QI Jazz par exemple, sur toute la Romandie. On s'est frotté un petit peu à l'industrie de la boisson et on a vu qu'il y avait une grosse problématique à la fois de fourniture, il y a beaucoup d'emballage, il y a beaucoup de gaspillage et donc notre but c'était de réduire tous ces éléments-là en offrant une boisson qui est produite localement. Et notre volonté de développement, c'est vraiment de pouvoir atteindre un maximum de personnes en Suisse romande. On a une volonté vraiment locale et de se développer avec la clientèle pour au final avoir une petite équipe qui est capable de fournir un maté local au plus grand nombre dans la région.